Monsieur Taïb Zitouni, bonjour. Bonjour. Alors, la foire de la production nationale dans sa 27e édition se tient aujourd'hui. Promouvoir la production nationale pour une consommation made in Algérie, c'est l'affaire aussi de la SAFEX, monsieur Zitouni. Ben, bonjour tout le monde. Je pense que la 27e édition de la foire, de la production nationale, elle est cette année sous le thème réussir les exportations pour un développement économique durable. C'est ça le thème qui est mis sous le haut patronage du président de la République. Cette édition, elle est exceptionnelle pour la simple raison que par le nombre des entreprises qui exposent et la surface qu'on occupe cette année sur cette. Et vous savez que la foire de la production nationale, c'est un véritable baromètre de l'économie nationale et de la production nationale et de la compétitivité du produit national. Mais comment ? Baromètre de la production nationale et compétitivité de la production nationale. Qu'est-ce que vous entendez par là exactement, M. Zitouni ? Vous savez, l'histoire de la foire de la production nationale, au début, on participait pour participer. On avait des entreprises publiques qui viennent pour présenter, pour exposer, pour faire le marketing de leurs marchandises, leurs produits. Mais les dernières années, on commence à avoir une véritable compétitivité. On commence à avoir des entreprises qui sont concurrentes entre elles. On commence à avoir vous savez que la dernière décennie, on a commencé à subventionner, à aider, à accompagner les entreprises, les PME, la PMI. Et je pense qu'à donner un résultat très très positif, on commence à avoir une véritable production nationale. En électroménager, vous avez remarqué qu'on a commencé à installer une plateforme de production composée de plusieurs producteurs nationaux. Sur l'agroalimentaire, c'est pareil. Et on commence à avoir une compétitivité au niveau national et une autosuffisance pour subvenir aux besoins au niveau du marché interne. Et on commence à présenter notre marchandise à l'étranger. Alors, véritable baromètre de l'économie nationale, c'est ce que vous déclariez à l'instant, M. Taïeb Zitouni. Ce qui est relevé pour cette édition, c'est que tous les secteurs de production et d'industrie seront représentés, l'énergie, chimie, pétrochimie, industrie, transformation agroalimentaire, services. Et vous soulignez aussi parallèlement la présence et la forte présence de l'industrie militaire. Elle est émergente aujourd'hui ? Oui, elle est très émergente. Ça fait 3 ans que l'institution militaire présente leurs entreprises, le groupe de production. Et on a 16 groupes de production au niveau de la foire de la production nationale. Et c'est pas tout le monde qui est là, puisqu'on n'a pas un espace adéquat qui peut contenir tout le monde. Vous savez que sur les 430 exposants qu'on a accueillis au niveau de la foire, on a laissé aussi une liste d'attente, une longue liste d'attente, y compris les entreprises militaires. Et vous savez que actuellement, les entreprises économiques de l'armée touchent à tout. Sont dans la production de l'armement, dans les industries lourdes, dans le textile et d'autres secteurs de télécommunications et d'autres technologies. Et je pense que c'est la troisième fois et ça a donné vraiment un écho très favorable, que ce soit au niveau interne ou externe, puisqu'ils ont participé avec nous-mêmes, avec nous en Afrique, en Europe, un peu partout, dans toutes les destinations qu'a choisi la SAFEX pour organiser leurs expositions. Ces expositions. Et je pense que cette année, il y a cette nouveauté, puisque l'armée a présenté des nouveautés, aussi des entreprises nationales, ils ont présenté des produits vraiment compétitifs et présentables. Alors, le label Made in Algérie, il doit faire ses preuves aujourd'hui, impérativement. Oui, impérativement. Est-ce que vous parlez de la concurrence déloyale des produits importés ? On commence à instaurer dans déjà la conscience et dans la culture des gens le made in Algérie. C'est pas un produit comme auparavant. On le soutient, on le défend malgré qu'il n'était pas compétitif, il n'était pas avec une bonne qualité. Mais les derniers temps, je pense qu'on a commencé à voir. Si on prend l'électroménager, on a participé avec le produit en Europe et en Amérique, et on a vu que le made in Algérie, c'est un produit
vraiment avec des qualités, avec il est compétitif et on peut le présenter sans aucun problème. Je pense que le Made in Algérie, il commence actuellement. Bon, on parle pas d'arrêter l'importation, mais je pense si on va au marché actuellement, le Made in Algérie, il trouve sa place et il est en train de faire son chemin. Et je pense que avec le temps, avec la compétitivité, avec ce genre de manifestations comme la foire de la production nationale, on commence à voir le Made in Algérie vraiment, il trouve sa place. Et je pense que le consommateur algérien, il peut faire la différence actuellement entre un produit qui est importé par soit la Chine, la Turquie ou autre destination comme l'Europe ou en Afrique, et le Made in Algérie. Et je pense que la différence, elle est tout de suite remarquée. Mais est-ce que c'est aussi grâce aux mesures incitatives qui sont mises en place aujourd'hui par les pouvoirs publics, à savoir un peu stopper cette importation tout azimut en instituant la taxe additionnelle et bien sûr avec actuellement tout ce qui est en train d'être engagé au niveau du ministère du Commerce, Monsieur Zitoni? Si vous avez remarqué, on a toute un historique comment gérer l'importation. Les licences et également. Les licences d'importation. On a commencé par les licences d'importation. Après, on est passé à l'interdiction d'importer et actuellement, on instaure le DAPS. Et je pense qui sont pas encore en vigueur. Qui sont pas encore en vigueur puisqu'on est en train de traiter les filières, les importations par filière. Et je pense qu'on peut pas arrêter l'importation pour la simple raison si on arrête l'importation, on peut pas développer les exportations. Et elle est impérative parce qu'on importe beaucoup de matières premières, on importe beaucoup de produits. Et c'est pour voir aussi même la compétitivité de nos produits made in Algérie. Bon, je pense que les mesures incitatives qui ont été prises par l'État, je pense surtout les dernières années, si on voit avec les banques, il y a des milliards de dinars qui sont injectés pour aider les PME, PMI. Et c'est ce qu'a donné ce résultat actuellement. Actuellement, on est passé d'un chiffre d'exportation d'un milliard l'année passée à 2 milliards, on clôture peut-être cette année à 2,7 milliards. Je pense que ça, c'est un effort de soutien de l'État et de ce qui a été fait pendant les dernières années. Il faut arrêter l'importation pour pouvoir consommer algérien, monsieur Zitoun? Non, pas du tout, parce qu'on est en train d'importer et voir les chiffres d'affaires des entreprises algériennes et on voit la production nationale. Et je pense que dernièrement on était en Égypte, personne ne croyait que les entreprises algériennes peuvent, surtout en électroménager et en téléphonie mobile, exporter en Égypte. Et on a trouvé un bon marché et un créneau très important au niveau de l'Égypte et même en Mauritanie, aux États-Unis, en Europe et partout dans les destinations. Alors le slogan de cette année pour cette 27e édition, c'est les exportations pour une croissance économique durable. Le Made in Algérie se porte bien à l'international aujourd'hui, Monsieur Zitoni, en toute objectivité. En toute objectivité, on commence à avoir notre place. Il trouve une meilleure place en Afrique, dans les autres continents, l'Europe, l'Amérique, l'Asie. Dans toutes les destinations qu'on a choisies. On a fait 25 opérations en 2018. Sur les 25 opérations, on a pratiquement notre part du marché. On a présenté, c'est vrai, la participation algérienne aux États-Unis, c'était une participation de provocation et de voir comment est-ce qu'on peut avoir cette destination. Et ça a donné d'excellents résultats en Europe, en Afrique. C'est vrai, l'Afrique, c'est le marché naturel des produits nationaux, puisqu'on est africain. Et je pense que notre produit, c'est un produit... Laissez-moi vous dire que c'est un produit numéro un, mais on commence à avoir une concurrence loyale déjà avec nos voisins qui nous ont précédés en Afrique, mais on commence à trouver notre place sur le marché africain. Mais d'autres destinations comme l'Europe, par exemple, et comme l'Asie, comme le monde arabe, on commence à avoir des partenaires sérieux et on exporte sérieusement les produits algériens. On n'est plus présent au niveau des foires internationales pour faire acte de présence ou pour faire de la figuration, c'est des actes concrets pour décrocher des marchés. Les choses ont changé aujourd'hui, monsieur Zitoun. On faisait de la figuration. Oui. Oui. À un moment donné, on est là pour dire que le pavillon national algérien, le drapeau national, il est là. Puisqu'on organise la foire internationale d'Alger et on a le pavillon national, on a les participations des nations qui sont là. Et on doit faire de la réciprocité et on participe nous aussi pour poser notre drapeau de l'autre côté. Mais je pense que les dernières années, on commence à avoir un professionnalisme chez les opérateurs économiques. On ne peut pas participer puisque c'est un peu cher.
ça demande des moyens financiers. Un savoir-faire aussi. Et un savoir-faire, et on ne peut pas présenter là actuellement, et on ne participe plus aux foires à caractère général. On participe dans des opérations professionnelles, dans des salons spécialisés pour des produits bien précis, et on ne peut pas présenter, aller au ciel de Paris pour faire de la figuration, ou aller vers le Gulf Food de Dubaï pour faire de la figuration. On commence à avoir des participations professionnelles sur le plan organisationnel, sur le plan de la prévision, sur le choix des partenaires, sur le choix des B2B qu'on organise sur place, et on commence à avoir vraiment une participation efficace. Mais est-ce que le choix des pays est déterminé en fonction, bien sûr, du potentiel algérien qui pourrait être injecté ? Est-ce que vous avez cette connaissance des marchés extérieurs, M. Zitouni ? Oui, la destination elle est choisie par rapport à plusieurs paramètres. Un, c'est la compétitivité du produit. Deux, c'est le volume d'échange avec ce genre de pays. Trois, avec les accords d'échange avec ces pays-là. Trois, avec la partie logistique. Est-ce que ces parties-là, ces destinations-là sont bien desservies par les moyens de transport ou pas? Il y a plusieurs paramètres pour choisir ce genre de destination. Et je pense que les 25 pays qu'on a choisis en 2018, alhamdoulilah, on n'a pas eu de problème. On a fait de bonnes participations. Si monsieur le ministre du commerce avant-hier il a fait un bilan des contrats signés, il a fait un bilan des entreprises qui participent à l'étranger, il y a une augmentation de 124% pour le nombre d'entreprises. On est passé de pratiquement de 150 entreprises à 300 et quelques entreprises qui participent à l'étranger, et c'est tous des entreprises qui participent à l'international avec des produits compétitifs, et c'est des professionnels. Et je pense que nos participations à l'étranger commencent à faire une véritable promotion aux produits nationaux qui trouvent un écho très favorable. Alors, M. Taïb Zitouni, je voudrais revenir un peu sur la SAFEX, bien sûr, cet établissement qui s'étale sur pratiquement 555 hectares. C'est un établissement qui est quand même vieux, qui est dans un état de vétusté. Qu'est-ce qui doit être fait pour sa modernisation et son développement? Bon, est-ce que c'est un projet qui est envisagé? Vous avez annoncé un méga projet il y a pratiquement deux ans, on ne le voit pas venir. Monsieur Zitouni. Très bien, c'est vrai, la SAFEX elle est déjà dépassée. Elle a été créée en 1967 et elle a subi plusieurs changements, l'ONAFEX, la SAFEX, la foire internationale d'Alger. Elle a 50 ans. Actuellement, et on est à la SAFEX, la Société Algérienne des Foires et des Exportations. Et des exportations, c'est pas des expositions. Et pratiquement, elle s'étale sur un terrain de 55 hectares. On a demandé de réhabiliter, parce que là, actuellement, c'est toutes les infrastructures, toutes les installations de la SAFEX, elles sont vétustes. Ça demande de réhabilitation. Ça menace ruine. Et on a demandé, la SAFEX, puisqu'elle a un chiffre d'affaires, on est en train pratiquement de travailler. On ne dit pas qu'on est seul sur le marché, on fait un chiffre d'affaires important, mais je pense que la SAFEX s'en sort très bien sur le plan budgétaire et sur le plan chiffre d'affaires. C'est pour ça qu'on a demandé de revoir le statut de la SAFEX. Ce n'est pas uniquement dans les murs et la réhabilitation des espaces. Bon, c'est vrai, on a présenté un méga projet pour moderniser et être aux normes de l'exposition, pour être aux normes internationales et pour accueillir des événements, puisqu'on n'a pas des événements pratiquement méga projets comme ça se fait en Europe ou en Amérique ou même en Chine. C'est pour ça qu'on veut avoir des partenariats. Mais pour avoir des partenariats, pour organiser des grands événements, on doit réhabiliter, on doit avoir des espaces qui répondent aux normes. Et c'est pour ça qu'on a présenté un projet qui prend en charge pratiquement toute la mission et le cœur de métier de la SAFEX, qui est l'exposition, et quelques activités annexes. Ça, c'est d'une part. Même la foire ou la SAFEX, ça demande même de revoir son statut. On a commencé à étudier avec l'actuel ministre, M. Djilab, comment filialiser la SAFEX. Parce qu'il y a la filiale export. L'Algérie, actuellement, va vers l'export. Et on doit avoir notre filiale d'export. Et la filiale l'organisation des expositions à l'étranger. La filiale des expositions au niveau national. La filiale au niveau des expositions au niveau régional. Parce que toutes les wilayas actuellement demandent leurs activités et avoir leurs événements au niveau local. Mais qu'est-ce qu'il en est de ce projet qui devait être présenté au niveau du CPE, le Conseil de participation de l'État, Monsieur Zitouni? Il aboutit pas, il est bloqué? Je ne dis pas qu'il est bloqué, mais il est
toujours on est en pour parler pour présenter le projet, parce que c'est un grand projet, ça demande un financement, ça demande des autorisations, et on l'a déposé sur au niveau de la commission technique du CPE. On attend toujours la réponse pour lancer ce projet. Le coût de ce projet, vous l'avez évalué à l'équivalent à pratiquement 300 milliards de dinars. Vous avez les financements nécessaires, puisque vous dites nous réalisons un bon chiffre d'affaires, monsieur Zitoun. Oui, très bien. Ça va être réalisé sur fonds propres. Oui, sur fonds propres. On demande un crédit, on ne demande pas une subvention de l'État. Bon, un crédit pour madame, on demande un crédit, ça veut dire qu'on a un chiffre d'affaires qui peut couvrir ce grand projet. 300 milliards, c'est pas 300 milliards de dinars, c'est pas les 300 milliards de dinars qu'on va dépenser, que la SAFEX va dépenser à 100% de sa poche. Mais je pense qu'il y a plusieurs projets dans le projet de la SAFEX. Nous, on prend en charge uniquement les pavillons et les halls d'exposition et tout ce qui est cœur de métier. Mais ce qui reste, c'est, je pense qu'on peut le faire en partenariat privé-public ou public-public ou privé-public-privé. Hein. Votre niveau de chiffre d'affaires en 2015, il était de 170 milliards de centimes. Il a évolué depuis ? En 2015, on était à 1,7. Là, actuellement, cette année, on réalise, Inch'Allah, à 2,4. C'est-à-dire il a augmenté, il est en hausse. Il est en hausse. Alors, monsieur Zitouni, présenter un produit, le faire connaître, le faire valoir, faire sa promotion, on nécessite d'acquérir une culture de la promotion, il faut former ? Oui, il faut former. Il faut former, parce que et la culture de formation, et la culture d'exposer, et de présenter, et de faire un management pour un produit, ça demande une formation, ça demande un savoir-faire. Et je pense que là, c'est l'appel qui est lancé aux entreprises qui exposent, qui exportent. On ne peut pas faire une compétitivité, on ne peut pas faire une concurrence à l'étranger si on n'a pas un professionnalisme affiché, si on n'a pas une bonne formation. Et vous savez que le monde change tous les jours pratiquement, et à chaque fois qu'on va vers une destination, surtout en Europe, même en Afrique, on trouve que le niveau s'élève de plus en plus, et ça demande un savoir-faire, un professionnalisme. Mais ce qui est déploré par les opérateurs économiques, c'est qu'ils disent qu'ils ont une méconnaissance des marchés extérieurs, monsieur Zitouni. Est-ce qu'il faut élaborer des cartographies pour faire connaître encore davantage le potentiel qui peut être, qui existe à l'étranger, pour pouvoir le concurrencer? Parce que même en Afrique, on n'est pas seul. Il y a les Marocains, il y a les Français, il y a les Américains, il y a les Chinois, il y a les Turcs aussi qui sont en train de conquérir l'Afrique. Tout ça, je pense que c'est dépassé par nos entreprises. Puisque si on a un programme pour 2019-2020, il est déjà communiqué, et le partenaire privé et l'exposant algérien, il est associé à la prise de décision pour le choix des destinations. Puisque les choix de destination sont... On choisit les destinations sur plusieurs critères, comme je vous ai dit. C'est l'opportunité du marché, c'est le volume d'échange, c'est l'accessibilité au marché et la compétitivité du produit. Et c'est pour ça que l'entreprise algérienne actuellement, elle est au cœur de la décision, et elle est partie prenante dans la décision pour le choix des destinations. Alors l'exportation, c'est le grand défi de l'Algérie pour l'année 2019, c'est ce qu'a rappelé M. Djilleb dans son intervention, que la priorité c'est l'exportation, et l'année 2019 sera l'année de l'exportation. Il y a beaucoup de travail qui a été engagé déjà par le gouvernement pour accélérer un peu les mesures de facilitation. Ça a commencé avec la cellule d'écoute qui avait été mise en place par le défunt Monsieur Barthi Belaïb, ancien ministre du Commerce, a été par la suite repris par ses successeurs. On est passé par les délais de rapatriement de 120 jours à 180 jours à 365 jours. Est-ce qu'il faudrait mettre en place plus de mesures incitatives ? Transport pour l'Afrique, subventionné à hauteur de 50%, mais est-ce que c'est suffisant ? Il faut d'autres mesures. Bon, l'année 2019, c'est l'année des exportations. C'est pas en termes de volume, ni en termes de chiffre d'affaires. Vous savez que... C'est qu'on va marquer notre présence. Si on va lancer le débat, c'est qu'on va commencer à toucher nos lois. C'est qu'on va commencer à déranger certaines mentalités qui sont basées et sont construites uniquement sur l'import. Nos lois, pratiquement, toutes les lois actuellement, surtout sur le plan financier, pratiquement c'est des lois pour l'importation, pas pour l'exportation. Si vous allez faire une petite opération d'exportation là actuellement, vous allez trouver des imprimés à l'export, et on les touche pour les destiner à l'exportation. C'est pour ça que l'année 2019, ça sera une année de débat.
débat et d'imposer le débat de l'exportation. L'exportation, comme a été annoncé dans le dernier PV du Conseil des ministres par son excellence le président de la République, c'est une nécessité, c'est pas un choix. L'exportation, si on peut pas exporter, on peut pas continuer à vivre, parce que le pétrole, vous avez vu le marché du baril du pétrole. C'est pour ça que l'année 2019, ça sera le grand débat de l'exportation. On va toucher aux lois qui gèrent cette opération. La loi sur la monnaie et le crédit. La loi sur la monnaie et le crédit, parce que Bakhtillah Rahmo, il avait lancé la cellule d'écoute et on a commencé à toucher au fondement de cette mentalité pratiquement qui est destinée à l'importation. Et c'est pour ça qu'on a commencé un excellent travail. Et je pense qu'actuellement, M. Gillab, puisqu'il était membre de cette cellule à l'époque comme DGCE. Il était directeur du commerce extérieur. Du commerce extérieur. C'est pour ça qu'on est dans cette lancée et on ne démarre pas de zéro, on démarre sur une plateforme qui a été construite et a été réalisée, et il y a un choix ou une nécessité pour aller à ce choix. Subventionner le transport à hauteur de 50%, c'est suffisant? Il faut faire plus d'efforts? Ou alors il faut falloir aussi que les opérateurs s'impliquent dans l'acte d'exportation? Vous savez qu'on vient de prendre... c'est pas le problème, il n'est pas au niveau de 50%, mais il est au niveau de la bureaucratie qui gère ce fonds. Parce que le fonds, le FSPE, le Fonds spécial des promotions des exportations, et c'est un fonds qui est géré par des anciennes lois. Et c'est pour ça qu'on dit que l'année prochaine, ça sera une année, Inch'Allah, des exportations. On va revoir le statut du FSPE. Puisque le FSPE, même si on exporte à 50%, mais vous trouvez tous les opérateurs économiques attendent leur facture de remboursement des années et des années. C'est pour ça que le ministre a pris une décision de verser directement et de signer une convention avec le Pavillon National de Transport, Air Algérie, la CNAN, Logitrans, pour passer directement à faciliter et à créer le couloir vert des exportations. Il va y avoir le statut de l'exportateur agréé, ça aussi, ça a été annoncé. L'exportateur agréé, c'est l'exportateur, c'est pas uniquement le producteur, parce qu'on va avoir, il y a un certain nombre de manuels, des procédures actuellement qui sont en train d'être révisés. Il y a le manuel au niveau de la douane, le manuel de l'exportateur, et on va avoir la carte de l'exportateur et un exportateur agréé. Est-ce que les opérateurs sont dans la logique, c'est la question de l'auditeur, de demander toujours des soutiens, de l'aide de l'État sans s'impliquer directement? Monsieur Zitouni. Oui, c'est tout à fait normal. Oui, c'est vrai, on a acquis cette expérience parce qu'on a été géré toujours par la Sistana, mais je pense que... Les choses changent, mais aller à l'international, c'est un peu difficile. Nos exportateurs, ils doivent être accompagnés. Et vous avez vu que le ministre hier, avant-hier, il a lancé avec le ministre des Affaires étrangères pour la diplomatie économique, pour ouvrir le marché, pour aider nos entreprises. Et des fois, malheureusement, si on n'intervient pas, l'exportateur ne peut pas avoir son visa. C'est pour ça qu'il demande toujours un accompagnement et on est là pour ça. Alors, autre question de l'auditeur. J'ai vu des Chinois gérer des exportations sans sortir de leur bureau via leur smartphone. À quand la levée des barrières bureaucratiques pour faciliter l'acte à l'export? Monsieur Zitouni. C'est un grand chantier. C'est pour ça qu'on dit que l'année prochaine, c'est une année des exportations. C'est un grand chantier. C'est Mais on tarde pour agir ou on fait vite? Changer d'abord des mentalités, passer au commerce électronique, passer à des plateformes numériques pour présenter nos produits. C'est pas la peine de prendre toute la marchandise sur un camion, sur un avion pour pénétrer un marché extérieur. C'est tout ça qu'on doit commencer à traiter en 2019. Et Inch'Allah, on va réaliser en 2022 le chiffre qui a été qu'on a arrêté, c'est 5 milliards de dollars d'exportation hors hydrocarbures. Alors, on perd plus notre temps à parler, à discuter au lieu d'agir, c'est la question de l'auditeur. Parler, oui, il faut parler, il faut discuter, il faut convaincre, c'est pas, puisque c'est un problème de mentalité, c'est un problème de culture. Un pays qui a été pendant un demi du siècle importateur et du jour au lendemain il veut être exportateur, c'est pas facile. C'est pas facile, c'est pour ça que parler et agir en même temps, je pense que c'est la solution. Alors, j'aimerais relever un fait que j'ai constaté la dernière fois, c'est l'absence de prix sur les articles chez certains producteurs. À telle enseigne que les hôtesses nous invitent à nous rendre dans leur showroom. Quelle est l'utilité de la foire si les prix ne sont pas affichés pour le consommateur? Mais c'est ça le principe, hein, c'est un peu d'attirer quelque part le consommateur à voir plus d'articles. Non, la foire n'est pas faite pour afficher des prix.
ni pour vendre un produit. Mais il va y avoir la vente. Pour... Oui, il va y avoir la vente. Il va y avoir la vente. Au niveau des showrooms, au niveau des magasins, au niveau des supérettes. Mais la foire, ce n'est pas une supérette. La foire, c'est une présentation d'un produit. On cherche des partenaires, on signe des conventions, on fait des B2B. C'est pour ça que pendant les 6 jours de la foire de la production nationale, on a beaucoup d'activités économiques qui accompagnent cette activité, cette foire. On a des conférences, à la Sonatra qui organise une conférence. Le 23, on a une grande journée pour présenter tous les produits algériens destinés soit à l'export, soit à la consommation locale. On a une journée qui sera gérée par M. le ministre Djellab, des panels pour expliquer toutes les difficultés et trouver des solutions. Je pense que tout ça, c'est avec qui accompagne la production nationale. C'est pas afficher des prix. Bon, c'est vrai, parce que Nest, ils ont eu l'habitude de venir faire leurs courses là-bas. Venir faire leurs courses. Mais la foire de la production nationale, c'est vrai, c'est une foire d'exposition, mais en même temps de vente, parce qu'on a prévu même un espace de vente, et vous allez trouver les prix affichés dans le couloir qui est destiné à la vente. Les meilleurs prix qui seront pratiqués à ce moment-là pour que les agriculteurs. On demande toujours, c'est ça, c'est la concurrence, on ne peut pas imposer, mais je pense que c'est la concurrence qui va arrêter les prix. On demande toujours aux exposants de faire des prix promotionnels foire. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, est-ce que, par exemple, tous les producteurs seront présents avec des produits compétitifs? Parce qu'on a tendance à constater au niveau des foires, c'est qu'on ramène la marchandise qu'on n'a pas réussi à écouler sur le marché traditionnel. Ils n'ont pas intérêt d'avoir... Parce que... Vous y veillez? Non, c'est pas uniquement la SAFEX, parce que nous, on organise l'événement, mais je pense que sur les 430 exposants, chaque secteur, on a des dizaines et des dizaines d'exposants qui ramènent le même produit. Ça demande une compétitivité et ça demande de présenter le meilleur produit de l'année. Tout le pays sera représenté au niveau de la SAFEX pour tout cette fois. Tout le pays. Alors, votre plan 2019-2020, beaucoup de foires, d'expositions pour promouvoir le Made in Algérie au niveau international, monsieur Zitouni. 60 opérations au niveau interne et 52 opérations sur 2019-2020. On organise 25 foires et salons à l'étranger et en 2019 et 25 opérations aussi en 2020. Vous savez, le choix de destination, il est un peu difficile. Participer à Goldfood à Dubaï ou à Anuga en Allemagne ou à Ciel de Paris, c'est pas une réservation de 6 mois. On demande toujours d'être présent et d'être à la page au moins une année avant l'événement. C'est pour ça qu'on a arrêté un programme de 2 ans. Et on a 60 opérations qui touchent à tous les secteurs au niveau national. Toutes les activités, on doit les présenter à travers des salons et des expositions spécialisées. Mais est-ce qu'on peut considérer que la foire la plus importante qu'organise la SAFEX aujourd'hui, c'est la foire la foire internationale d'Alger, où il y a beaucoup de pays qui s'intéressent à notre destination. Il y a les Chinois comme pays d'honneur, il y a eu aussi les États-Unis, il y a eu aussi par le passé la France, l'Espagne. Est-ce que c'est l'événement le plus important pour l'Algérie? Oui, en autorité, oui, mais parce qu'il a eu son statut, et c'est un événement, c'est un rendez-vous attendu par tout le monde, c'est vrai. Qui a pratiquement 50 ans d'âge. Voilà, et puis il est beaucoup plus politique, économique à la fois, et des fois même relationnel. Les années 90, on était boycottés par les pays étrangers. Oui, mais on s'en souvient, ils venaient pas. On reprend. Mais, les pavillons étaient vides. Mais vous savez qu'actuellement, la tendance est vers les salons spécialisés, pas vers les salons, pas vers les foires à caractère général. Et la foire internationale, pratiquement, c'est vrai, de plus en plus, les gens participent aux salons. Toutes les nations qui participaient à la FIA, à la foire internationale d'Alger, actuellement vient pour participer à d'autres événements spécialisés tels que Batimatech, Jazzagro, les opérations d'informatique, le high-tech. Et on vient pour participer pour des opérations spécialisées, pas dans la foire internationale. Alors, à vous entendre, M. Zitouni, c'est la question de l'auditeur, que l'acte d'exporter est plus difficile que celui de l'import, alors que l'un apporte de la devise et l'autre fait sortir de la devise. Ça ne serait pas un acte voulu? Voulu, non, mais c'était pratiquement le système pratiqué par l'Algérie. On ne produisait pas beaucoup, on non plus. On ne produisait rien et on attend uniquement la bourse du baril du pétrole. Et actuellement, on est obligé, on est devant une nécessité d'exporter et de faciliter
faciliter la tâche d'export. C'est vrai, exporter, c'est un acte de militantisme. Exporter, c'est pas facile, puisqu'on a des blocages un peu partout. Mais je pense que à travers les lois... Par le passé, on a favorisé plus l'import que l'export aussi. Non, pas, c'était le seul choix. Importer, exporter, c'est pratiquement c'est un terme qui n'existe pas dans le dictionnaire des opérateurs algériens. Mais actuellement, on commence à voir cette situation. Et puis, il y a des exportateurs, il y a des producteurs qui exportent leurs produits malgré qu'ils les vendent au marché national, mais uniquement pour participer à la construction de cette culture. Alors, importer des kits démontés pour monter un peu une machine à laver, est-ce que ça peut se considérer comme étant de la production nationale? On doit commencer par... on ne peut pas commencer tout seul. Il faut un début à tout. Les Hollandais, ils ont commencé par l'assemblage des voitures et actuellement, c'est la plus grande chaîne de la sous-traitance à travers le monde. Les Hollandais, actuellement, exportent pour 20 milliards de dollars pour les Allemands pour construire la voiture Mercedes. Et on commence par l'assemblage, c'est certes, mais je pense que si on a un plan, si on a un objectif pour commencer la sous-traitance, et je pense que l'accord qui a été signé entre les Coréens et l'opérateur algérien avant-hier porte beaucoup plus sur la sous-traitance, la fabrication de la pièce détachée et le taux d'intégration. Pareil pour l'électroménager, on commence à avoir un taux d'intégration appréciable, la téléphonie mobile aussi, mais je pense que c'est le début. On vient de commencer. Il y a des nations qui ont des siècles dans l'industrie automobile et l'électronique et l'électroménager. Monsieur Tayeb Zitouni, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio malgré vos obligations. Merci beaucoup. Bon week-end. À bientôt. Et bonnes vacances. Ça s'arrêtera ici. Bon repos, bien mérité.